Boo! Okay, guys, you're awake now. I think everybody is there. Just take carefully. Listen to me today. We had a great day yesterday. We just saw some great chocolate pieces with a lot of elegance, a lot of colors, a lot, even aggressive pieces also. But it was so beautiful to watch those guys. It reminds me of my my competition days when I was candidate. But this is just amazing to see how those guys are driven by their passion about chocolates, building all those pieces. ショーピースに関しては、すごい昨年あの前回よりも非常にあの素晴らしくて、あの結構接戦になるんじゃないかと。Je me suis dit quelle pièce j'aimerais mettre dans mon magasin.Et j'ai trouvé que l'Islandais et puis le Danois travaillaient énormément sur la partie minérale et sur le végétal. Et pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment énormément d'importance. J'adore forcément cette matière et c'est la naissance de la vie. Et c'est comme ça que je conçois le travail. Being the Australian judge, it was great to see Australia, you know, look very strong. The piece was very nice. Group two in the afternoon, we saw some extraordinary work.From the Dutch team was, you know, really an expression from the theme that you probably wouldn't expect. 新しい素材っていうか、あの日本の例えばユズだとかパッションだとか、まああのいろんなそういう味噌とかあと納豆とか、まあいろんなそういうあの日本の素材もこういう大会でたくさん使われてて、まあ、例えばわさびとか。Le côté où on peut être un petit peu déçu, peut-être, c'est ce côté vraiment le travail qui devient trop coaché, ce manque de liberté des candidats. Par exemple, moi, quand j'ai gagné ce concours en 1994, j'arrivais de ma campagne et là, j'ai pu exprimer qui j'étais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching, ce qui fait que toutes les pièces ont tendance un petit peu à se ressembler.Qu'à mon époque, l'Italien venait de sa campagne ou de sa ville et on avait vraiment une approche qui était très très différente.